Salut à tous et à tous, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo après match Le Havre-Guingamp. C'était la 15e journée de la Domino's League 2 et enfin une victoire pour le hack, une victoire 4 buts à 0. Alors c'est parti pour la vidéo après match de ce Le Havre-Guingamp et c'est parti! Et c'est parti donc pour le résumé de la rencontre. Donc dans la rencontre hier soir à 20h45 au stade Océane du Havre. Donc rien à se reprocher au bout des 45 premières minutes de jeu car il y a 0-0. Mais dès de retour des vestiaires, Junior Dina Imbibe ouvre le score pour le Havre à la 53e minute. Le break est fait à l'heure de jeu. Un but grâce à une frappe de loin de Jean-Pascal Fontaine. Le troisième but pour le hack est à la 69e minute avec Jamal Thiaré. Et puis le dernier but de la soirée, le but pour clore cette magnifique fête hier soir au stade Océane. Un but de Tino Kadewere sur penalty à la 90e minute de jeu. Voilà pour ce résumé de cette rencontre. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Enfin une victoire pour le HAC. Et oui, le hack qui n'avait pu gagner depuis fin août. Voilà, après avoir fait un mois d'août extraordinaire, nous avoir fait rêver, le mois de septembre pourri, le mois d'octobre pourri. Et ce match du 25 novembre 2019 nous a totalement relancé. Magnifique victoire de nos ciel et marines. Et c'est pas non seulement une petite victoire, mais c'est une victoire 4 buts à 0. Au point de vue classement, le Havre donc se place à la 6e place avec actuellement 22 points. Devant nous, le FC Sochaux-Méliard avec donc actuellement 25 points. Ce qui veut dire que le HAC est à 3 points du FC Sochaux. Montbéliard. Donc le hack maintenant, on n'a pas le droit de faire de faute jusqu'à la fin de cette phase aller. Il va falloir remporter tous les matchs jusqu'à la fin, lors de la 16e journée face à Rodez, lors de la 17e journée face au Mans, et bien sûr la 18e et la 19e journée, et bien sûr poursuivre au maximum et gagner tous nos matchs. Du point de vue des joueurs, j'ai pas forcément de remarques à faire individuellement, mais je félicite la défense qui n'a pas pris de but, et ça faisait un petit moment déjà qu'on avait pu. Plus pris de buts. Du côté des supporters, on sait que les supporters COP, donc les Barbarians ou encore les COPS et les Marines, n'étaient pas présents dans les tribunes hier soir. Ils étaient en grève, bien évidemment, contre tout simplement parce que les billets ils sont beaucoup trop chers au stade Océane, en vue aussi des résultats de l'équipe qui sont plutôt décevants. Donc on verra si ça s'améliore. Du coup, ben, tout dépendra certainement aussi du résultat face à Rodez. Et peut-être que. Et j'espère aussi parce que qu'il y aura le COP mardi prochain au stade de Seine contre Le Mans. Parce que un stade sans COP, enfin, c'est un peu triste. Il n'y a pas d'ambiance. Et les joueurs, ben, ils ont envie d'être soutenus. Ça n'a pas été le cas hier soir. Je pense qu'ils étaient aussi motivés de se dire, attends, il faut gagner parce qu'il faut aussi que nos supporters ils viennent au stade et qui font la fête avec nous. Nous, on leur a pas donné les points nécessaires, on n'a pas fait des gros matchs. Maintenant, il faut changer ça tout de suite. Au point de vue stratégie, le HAC a pas mal aussi changé. Au lieu de jouer dans un 4-4-2 ou un 4-3-3 plutôt habituel, le Havre a joué dans un 4-2-3-1 qui a plutôt bien fonctionné. La preuve, parce que le HAC s'est imposé sous le score de 4-0 face à l'Andaman de Guingamp. C'est tout pour ce 100% HAC. Si je serais Paul Le Guen, alors franchement, j'ai absolument rien à dire. J'étais un petit peu surpris de voir le 4-2-3-1 proposé hier soir pour la formation du HAC. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas tenter quelque chose? Parce que ces derniers temps, en étant 4-4-2, 4-3-3, ça n'a jamais fonctionné dans le mois de septembre, au mois d'octobre ou dans le début du mois de novembre, où ça a été catastrophique. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter quelque chose? Ça a fonctionné, donc bravo Paul. De toute façon, c'est toi le coach. Alors, bravo.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans la description, bien sûr, les résultats, le classement de la Domestique 2 et bien sûr mon Instagram, ErwanLeHavre76. D'ailleurs, le Instagram, le sondage Instagram, donc est-ce que Le Havre va battre Rodez, est actuellement accessible donc sur mon Instagram. Alors, vous avez encore jusqu'à ce mercredi vers à peu près donc 15h. Voilà, ce sera vers ces alentours de 16h. Et puis, bah, moi, j'ai plus qu'à vous dire à vendredi pour l'avant-match de la 16e journée, Rodez-Le Havre. Alors, bis les amis, et donc à vendredi.